Nous disons simplement à ce stade qu'il n'est pas raisonnable de manifester. À ce stade, on n'a pas décidé d'interdire. Mais quand vous dites à ce stade, vous pourriez l'interdire ? Nous disons simplement à ce stade qu'il n'est pas raisonnable de manifester, que nos forces de l'ordre et de sécurité ont été mises à contribution énormément ces dernières semaines, ces derniers week-ends en particulier, et que, au regard des événements qui se sont déroulés, de l'attentat terroriste qui s'est déroulé sur le marché de Noël à Strasbourg, il serait préférable que ce samedi, chacun puisse de manière apaisée vaquer à des occupations d'un samedi avant les fêtes de famille de fin d'année, plutôt que de manifester et de mettre à nouveau à contribution nos forces de l'ordre. Il y a des choses de court terme mises sur la table. Et ensuite, l'idée, c'est que nous retrouvions le chemin du dialogue à travers le grand débat national. Donc j'ai envie de dire aux Gilets jaunes, sur la question fondatrice du mouvement qu'est le pouvoir d'achat, des réponses honnêtement massives ont été données. Massive. Donc, ne manifestez pas samedi. Oui, et je crois véritablement qu'il faut maintenant que le mouvement s'arrête pour passer à la construction d'un nouveau modèle français.